Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de la Providence. J'espère que vous allez bien. Donc on va regarder quel est le signe qui va vouloir parler aujourd'hui pour la période donc du présent, hein, du présent jusqu'au futur proche, donc pour la période septembre, fin août, début septembre. Quel est le signe qui veut venir? Alors, c'est les Capricornes. Capricorne. Donc, quelles vont être les énergies pour les Capricornes pour la période actuelle jusqu'à la fin du mois de septembre 2020? Donc, les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons regarder donc, les énergies pour cette période. Que se passe-t-il actuellement dans votre énergie? Que se passe-t-il dans le futur proche? Quelles sont les choses à mettre en place pour votre futur? Quelles sont les énergies pour les Capricornes? Que se passe-t-il dans leur vie pour les Capricornes? Avons-nous des messages pour les Capricornes? Quelles sont les énergies pour les Capricornes? Que se passe-t-il dans la vie des Capricornes? Que se passe-t-il pour les Capricornes actuellement? Quelles sont les énergies pour les Capricornes? Quelles sont les énergies pour les Capricornes? Capricorne. Ouf. Capricorne n'est pas très bien en ce moment, hein? Quelles sont les énergies pour les Capricornes? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour les Capricornes? Donc on a la maladie, l'enfermement et la force. Quelles sont les énergies pour les Capricornes? Que se passe-t-il? Quel va être leur mois de septembre? Là, il y en a trop. Les Capricornes, ben, on a du mal à parler, on a du mal à se confier, les Capricornes. C'est un petit peu compliqué en ce moment. On est renfermé, on est pas très bien, on ne veut pas recevoir de cadeaux de la vie. Hein, on campe sur ses positions. Hein, et ça, depuis cet été. Hein. Donc les Capricornes, hein, là on campe sur ses positions avec force et détermination. Hein. Bon alors pour les Capricornes, hein, donc le problème, ce qui se passe, c'est que comme vous bloquez vos énergies, eh bien l'univers a du mal à vous apporter des cadeaux. Hein. Là, bon, il y a des choses qui vont s'améliorer, mais en fait, vous êtes très concerné par le financier. Hein, le financier, la maison, on ne sait pas trop quel choix faire. Si on veut apporter du bonheur dans sa maison, dans son foyer, ou si on se concentre sur l'argent. D'accord. Donc, il y a un éveil qui arrive tout de même. Hein, il y a quand même un éveil qui arrive chez vous. Voilà. Bon, vous avez la protection, hein. Bon, vous êtes intuitif, intuitive, les Capricornes, hein. Mais bon, on voit bien que là, avec la maladie, l'enfermement, la force, donc on campe sur ses positions, hein. On a du mal à lâcher, on a du mal à lâcher des émotions, on reste, voilà, on reste un peu bloqué, hein, voilà. Donc, alors, le Capricorne n'a pas envie de communiquer. N'a pas envie de communiquer. En fait, il est très concentré sur le financier. Il est très concentré sur le financier. En fait, il se méfie aussi d'une personne plus âgée. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, vous vous méfiez d'une personne qui est plus âgée. Vous vous méfiez de sa jalousie et de sa ruse. Ok, bon. Alors sinon, bon, on voit quand même une évolution, hein. Vous êtes protégé dans votre foyer, d'accord, dans votre maison, ok, vous conservez cette force de, voilà, d'être bien chez vous. Donc, il y a quand même pas mal d'enfermement. On vous dit que vous avez du mal à activer le gouvernail, hein. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, on a du mal à aller de l'avant.
Voilà, on sait qu'il le faut, hein. Vous savez qu'il le faut, mais c'est difficile d'aller de l'avant, hein. Ok, bon, alors voilà, donc en fait, il y a de la jalousie concernant les autres. Ah, dis donc, Capricorne. Alors, avec la carte de l'étranger, la jalousie, la distance, l'enfermement, le changement, le voyage et les paroles. Ok. Alors donc, pour les Capricornes, ok. Alors maintenant, je comprends un petit peu mieux, vous avez des projets. Ok, vous avez des projets, pour d'autres, hein. Donc il y a des projets qui se mettent en place, que vous voulez mettre en place, d'accord? Pour trouver un équilibre dans votre foyer, pour trouver un équilibre financier, ok? Équilibre financier. Donc il y en a qui s'enferment, mais il y a une raison de s'enfermer, d'accord? Donc pour retrouver un équilibre financier, d'accord? On va, voilà, pour sortir de cet enfermement. Alors, donc là, on a donc on a des projets, hein, on a des projets de partir, de s'éloigner, d'aller dans des directions différentes, d'accord? Parce que la situation actuelle vous maintient dans une forme d'isolement, ok? Votre vie, finalement, elle, voilà, il y a le travail, tout ça, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de peps, il n'y a pas d'énergie, voilà, de renouvellement d'énergie. Alors là, en fait, on voit que vous avez le désir d'aller là-dedans, vous y réfléchissez, vous travaillez dessus. Ne parlez pas de vos projets, puisqu'il y a des gens jaloux autour de vous, d'accord, qui pourraient vous laisser dans cet enfermement. On voit qu'il y a des personnes qui sont contentes de vous voir dans un enfermement, hein. Voilà, parce que si on raconte, si on parle de ces projets, ben en fait, il y a un peu de conflit, hein. Les gens ne sont pas d'accord, en fait, hein. Ils veulent pas vous voir évoluer, hein. C'est incroyable, hein. De toute façon, on a le cadeau. Vous allez vous faire un cadeau vous-même, hein. Voilà, le renouveau, la naissance, cadeau naissance pour les Capricornes famille. Donc effectivement, hein, vous, voilà, compromis. Ok. Donc en fait, vous avez des objectifs dans la vie, vous voulez certainement construire une famille, un foyer, voilà, enfin être tout simplement bien dans un couple, etc. Eh bien, vous mettez des choses en place, vous restez dans... Vous ne racontez pas tout ce qui se passe, d'où le fait que ça vous rend malade, parce que aussi, normalement, on devrait pouvoir parler de ses projets et que les gens soient joyeux et heureux pour vous, mais malheureusement, il y a de la jalousie. Hein? Encore une fois. Bon, de toute façon, ça, la jalousie, il y aura toujours des gens qui seront jaloux par rapport à votre éveil, par rapport à votre évolution, par rapport tout simplement à votre bonheur, puisque beaucoup de personnes ne comprennent pas que grâce au... quand on se réjouit du bonheur des autres, eh bien, le bonheur arrive en abondance dans votre foyer, dans votre vie. Oui, encore une fois, je reviens là-dessus. Donc, on a l'homme âgé, mais bon, ça peut être une femme âgée, hein, la jalousie, la ruse. On vous dit oui, hein. Donc, on vous dit de vous méfier, voilà, des gens autour de vous qui, ben voilà, qui sont pas vraiment, encore une fois, heureux de votre évolution, hein. Donc, effectivement, hein, ça vous grise, hein, ça commence à peser, et donc vous allez prendre de toute façon les décisions qui vous correspondent, et surtout, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ce qui se passe dans votre vie, de toute façon, ça ne regarde que vous. Ouais, alors on va prendre ça. Elles sont venues, elles sont là. Donc, les Capricornes. Donc, on a l'apprentissage. Alors, que nous dit la carte de l'apprentissage? Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà. Donc, bon, il est inutile quand même de trop vous enfermer, hein. Parce qu'on a la nouvelle page. La page toute neuve. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous êtes dans la bonne direction.
Vous êtes dans la bonne direction, vos projets sont bons. On vous dit juste de faire attention, encore une fois, à la jalousie, hein, à la ruse, hein, les gens qui veulent vous bloquer. Ok ? Alors, le film. Alors, on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, donc, nouvelle page, nouvelle vie, on y va. Et bien sûr, ça, si c'est beau, la longue vue. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition. Sur votre intuition pour une nouvelle vision. Magnifique. C'est bien, c'est bien. Et oui, il faut aussi utiliser de la stratégie pour se protéger, malheureusement. Mais c'est très bien parce qu'il y a l'éveil, il y a l'intuition et la protection. Donc vous allez dans votre direction. Avec la protection, n'est-ce pas? L'éveil. Encore une fois, l'intuition. Donc, c'est bon, c'est très positif. Avec le chaman mystique, on a la carte du voyage. Donc, vous allez vraiment vers votre réussite, vers votre chemin. La carte du voyage, elle est belle parce que, vous voyez, on écoute son cœur. On écoute son cœur, parce que seul lui sait. Seul lui sait. Et le hibou, il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le cœur. Magnifique, magnifique. Et voilà, et donc, avec la carte du maïs, c'est la récolte, abondance et gratitude. Merveilleux. Et le voyant, et ben voilà. Hein? Donc, le voyant, l'intuition, et bien sûr, vos guides, vous êtes guidés. Par les anciens et honorez vos anciens, honorez vos ancêtres. Voilà, allez, un petit message de mon oracle des forains que j'adore. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les capricornes? Un petit message pour les capricornes. Le clown! Eh ben, mettez de la joie dans votre vie. Allez vers votre bonheur, tout simplement. Eh bien, très beau tirage, il y a la fin de certaines situations en relationnel, d'accord? On coupe des liens, on va vers ce qui est bon pour nous, ok? Et la castagne, eh bien oui, hein, la, comme on dit, la courave, hein, eh bien voilà, on arrête avec ça parce que on est protégé, donc on arrête les conflits intérieurs, on arrête tout ça. Voilà, et eh bien écoutez les Capricornes, je vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt.